Salut YouTube, on continue la run à l'arc uniquement, on va essayer d'aller buter Radan. C'est parti. Parce qu'on a trop pris la confiance. C'est tout. Pourquoi ? Faire quelle quête ? Pour déclencher le festival, faut faire quoi comme quête ? Faut faire... Faut aller là ? Faut aller ici là ? Faut battre Loretta ? Déclencher la quête de Rani peut-être ? Comment ça se fait qu'il soit pas activé? Ça m'est jamais arrivé. Faut aller voir Rani. Putain, faut aller buter Loretta. Oh, fallait pas trucider Alexandre. Quel cake. C'est vrai, c'est ça? Ouais, c'est Elden Ring, ouais. Iron Cookies, tu pensais que c'était quoi? Énorme. Bon ben d'accord, ok, ben on va buter Loretta, c'est parti. J'ai les nerfs solides pour le faire. Je connais le chemin par cœur, de toute façon, le but c'est pas de buter tous les ennemis, le but c'est de finir le jeu le plus vite possible. Ouais, j'ai tué Alex pour avoir sa compétence, son talisman qui permet d'augmenter de 10% les dégâts des compétences à Pierre de Forge 2, c'est super. Nous avançons. Prends ça. Ouais, je suis un gros connard, j'ai tué Alex. Je prends mon arc à deux mains. Ok. Le but étant bien sûr d'aller chercher l'arc noir. Alors, je peux aussi aller à la capitale là, finalement. Puisque j'ai tué deux boss majeurs. Clair de rien, je pourrais aller récupérer l'arc noir si je voulais. Il faut quand même buter la sentinelle à l'accueil, quoi. Enfin. Bonjour, je suis la sentinelle et je travaille à l'accueil. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous buter? C'est l'enfer, ce sentinelle, en vrai. La sonde, c'est le meilleur truc. C'est pas mal, ce truc de brève, là. Du coup, Nightbot, il sert encore à quelque chose, quand même. Ah, vous pouvez faire aussi My Uptime, je crois, point exclamation My Uptime, et Nightbot, il vous dit depuis combien de temps vous followez la chaîne. Ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a plein de runes à la capitale, l'air de rien. Là, je suis tellement content d'avoir les trois talismans sur moi, là aussi, c'est trop cool. Allez, hop, on monte. My Uptime, point exclamation My Uptime. C'est pas à jour, Florerta? Non, mais c'est de... Si, c'est à jour, je crois. Voilà, Florerton a been following depuis un an, 5 mois, 1 week et 2 hours. And 52 minutes. Ah, c'est vrai qu'il y a une graine là aussi. Faudra que j'aille aussi dans des églises récupérer... Enfin, faudra que j'aille récupérer d'autres graines dorées, pardon. Un an, 5 mois, c'est une escroquerie. Ah ben, je sais pas. T'avais pas un follow et refollow à un moment? Il me semble que si. Mais sans faire exprès. Donc là, vaut mieux passer à gauche, je vous le dis quand même. Vaut mieux passer là. Ça évite de se faire défoncer par tout le monde, en fait. Donc voilà, le manoir de Caria, hein, bien sûr, en speedrun. Ouais, donc en fait, si tu butes Alexander, t'as pas le téléporteur de Radan, quoi. Si je l'avais pas buté, il y aurait eu le téléporteur? Ah oui, c'est vrai que là, j'ai une effigie de Marika. Ouais, super, je commence avec un malus, je suis trop content. Bonjour, Cristal Givré, c'est super. Et du coup, là, ouais, c'est bon, j'ai l'effigie de Marika. Alors, ok. Donc là, on sait, la technique, c'est t'arrives. Dès qu'elle arrive, hop, t'invoques. Voilà, et nous, on fait du distanciel, du télétravail. On va voir si on peut l'empoisonner. Hein. Ah oui, putain, waouh, par contre, là... Ah oui, elle est méga mobile par contre. Donc, attendez, on va plutôt faire ça. Ça craint le saignement, ça. J'ai l'impression que ouais. Ok, peut-être qu'on va y aller au petit arc. Je pensais que ce serait facile.
Ça la stun, hein, quand même. Ça craint pas du tout le saignement, non? Et un peu. Putain de grognasse, un P2. Mais ça! Mais ça, t'as la magie infinie ou quoi? T'as la fiole sacrée de Cérulène de ses morts! Ok. Ok. Je passe à demain. Vas-y, dis-moi qu'elle est empoisonnée, pas encore. Oh putain. Toujours plus. Super. Super. Oh ouais, je gère, hein, parce que franchement. Oulala. Alors, j'ai été surpris par quelque chose. C'est que. Elle est forte. Elle était bien surpris là. Du coup, si je lui fais peut-être du poison, un rideau de poison, schlar. Je suis trop fort, t'as vu, Iron Cookies. Peut-être, attendez, déjà j'y vais comme ça. Voilà. Ensuite, je prends ça. Ok, là j'y vais. J'utilise du coup mes loups. Pas assez de magie, putain, je me dégoûte. Ah putain! Mais t'es sûr, hein? Pas grave. Il y a les loups qui vont tanker un peu pour moi. Je vais prendre tous les couteaux, mais c'est pas grave. Bon coup. Poison. Et avec une flèche. On peut l'empoisonner ou pas? Par contre, je prends trop de dégâts. Il faudrait peut-être le petit arc. Je vais essayer de changer d'arc, être absolument ignoble en plein game, voire impossible. Mon cerveau, problème. Mon cerveau. Ok, j'ai le petit arc. Faut l'esquiver de ouf. Salut à Tité, comment ça va? Bonsoir. Des bisous Iron Cookies. Et puis un cookies, bonsoir à toi, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Ciao ciao. Bon. Je pense qu'avec le. Comment dire? Avec ça. Ben, ça a bien attité. Je suis en train d'essayer de buter Loretta pour pouvoir aller battre Radan. Radan ton cul. On va barder sévère sur Radan ton cul. Grâce à notre superbe arc. Plus tu bandes, et plus ça fait de dégâts.
Ne l'oubliez jamais. J'aime pas le saignement, toi. Peut-être que les flèches normales, ça serait mieux. Radin et Ève. Et merde. Pas mal, hein. Bam. Gros tir. Attends. Elle en fait beaucoup, là. Ouais, là, c'était one shot. C'est one shot, ça. C'est pas évident, hein. Franchement... En fait, le problème, c'est que... Comment dire ? Elle est vraiment très rapide. Et mes loups, ils tankent pas assez. C'est le souci. Je vais regarder si avec des flèches classiques, ça pourrait pas lui faire un peu plus mal quand même. Hop. Allez, on va tenter. Donc là, il faut faire rond au départ. Vous voyez, quand elle sort ses couteaux au début, bam, tu fais rond. Hop, L2, L1 là, pour le sang. Alors L2, L2 là, L2, R2 pardon, pour les flèches normales, pour voir. Ok, je bois un coup, je prends ma fiole de salut miraculeux. Flèche classique pour voir, et rond. Ça lui fait pas trop de dégâts quand même, les flèches classiques. Encore que les flèches ensanglantées, si. Bon, tant qu'il y a les loups, en fait, ça va. Je refais. Faut que j'esquive. Ah, c'est bon. Je prends des billes. Rond. La magie. Ça peut passer. Ça peut passer. Sur un malentendu, ça peut marcher. 32 de dégâts. C'est tout. Vas-y, putain. Vas-y, bouge pas. Ouais. Pouf. 112, hein, le pouls. Ai-je le droit de me servir du Grand Arc de Loretta? Ça sert à rien. Merci pour les GG. Merci Voxol. Merci Darkside. Merci One Night Shoot. Merci Memor le Joe. Merci Nérin. Merci Florerton. Merci Shimae. Merci Polkov. Bon, vas-y, je peux prendre un level. Je vais me prendre peut-être un level de Dex. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Merci Rapace Funer. Merci Atité. Merci Black Rose. Merci Akli. Merci Jules, c'est vraiment du spectacle. Je sais pas quoi prendre, hein. Je vous avoue, je prends de force. Hein. Bon. Point de force, allez. On se mettra 15 points en force. Ok, donc... normalement, on peut accéder à Radan, maintenant. On va quand même aller tester un coup, voir. First try Radan, c'est possible. C'est possible. J'ai 900 runes, ça va. Et du coup, là, le TP... Ah, faut faire la quête de Rani, c'est ça? Il faut la finir? Ou il faut la déclencher? Oh, vas-y. Oh non, je veux pas la finir, sa quête. Je suis pas du tout au bon endroit. Mais en fait, 15 points de force, c'est peut-être bien pour l'arc de Radan, je sais pas. Au pire, j'irai renaître. Mais c'est vrai qu'on peut pas utiliser le poney. Faut que je parle à tout le monde dans la tour de Rani, ok. Ah ouais, tu tenterais, toi ? Laura Ayrton ? Le streaming ? Ouais, le truc de Nocron, mais Nocron, c'est qu'avec... c'est qu'avec Rani, donc apparemment, il faut lui parler. Et faire...
le dialogue avec Iji, Blade et Céluvis. Je reviens sur R4 en même temps. Je garde un œil sur Ribo quand même. Il a promis 5 minutes de RE en fin de stream, alors je reste. Oui, c'est vrai, je l'ai promis. Je les ferai, mes 5 minutes. On mettra un petit timer. C'est vrai, Flor Ayrton ? Énorme. Alors, sachez que dans ce tour, vous pouvez y aller avec votre cheval. Vous voulez pas vous emmerder. Ah non, pas plus. Pas plus que 5 minutes, attention. De la compta en live. On serait très heureux de voir ça. Alors, hop, on monte. J'aimerais bien changer de tenue. Alors, on lui parle. Je me mets à son service. Se mettre au service de Rani. Hop. C'est marrant parce qu'il y a une odeur de Saint-Nectar qui vient d'arriver dans le bureau, là, actuellement. Et je sais pas pourquoi. Donc, bon. Je viens de finir ma soirée de taf. Je voulais en revenir à ton abondant de Sekiro. Ok. Faut que je m'entraîne sur les paragames. En fait, je suis trop impatient, je pense. C'est le P23, c'est pour ça. Et du coup, tu sais, j'ai du mal à patienter pour les combats de boss. Tu vois? Je pense que c'est ça, mon problème. Ça sent le Saint-Nectar violent, hein, dans le bureau. Oh, putain! Ça va, ça va. Ça marche avec le poney? Ah ouais, ça marche. Quand je vous disais qu'on peut y aller en cheval, hein, c'est pas des conneries. Allez hop, PJ! Est-ce qu'après, il me vendra le talisman, peut-être? Ça vaudrait le coup d'aller farmer 5 golems pour avoir le talisman de magie, qui fait économiser 30% de points de magie. Je sais pas s'il le vend après avoir parlé à Rani, on ira quand même vérifier. Alors bref, Kiri, Kiri, Kiri. Très bien. Sekiro. Lui, c'est le plus gros connard de l'univers, là, c'est lui. Là, si vous voulez pas vous emmerder, je crois qu'on... Ah non, on peut pas se TP, c'est vrai. Pas se TP. Je l'ai chanté en la lisant. C'est pour ça que c'est bien de faire des brèves. Ça permet d'avoir un bon panel de conneries. Et en plus, j'en ai déjà 80 dans mon fichier de brèves. N'hésitez pas à follow si vous vous emmerdez grave. Ok. Donc on finit avec Rani. Hop. Putain, je savais pas qu'il fallait faire ça quand t'avais buté Alexander. Ok. Et du coup, là, c'est bon. Je peux me TP. Attendez, on va aller voir Iji d'abord. C'est là, hein. Attends, c'est là. Merci, Anchois, qui s'emmerde. Merci beaucoup, Anchois 13, pour ton follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Salut, Omikami, comment ça va? On a battu Renala. Est-ce qu'il le vend? Oui, il le vend. Trop bien. Réduit la quantité de PC consommée par les compétences. Alors peut-être que ça pourrait être intéressant de remplacer... Oh putain. Augmente grandement la vigueur, l'endu, la force et la dex. Putain. La puissance d'attaque des compétences et la puissance d'attaque des flèches à carreaux. Ah, du coup, ouais. Bon, on va peut-être pas l'acheter de suite. Bon, on va aller voir pour Radan déjà. Hein? Let's go. Devrait le vendre le talisman, ok. Ça va nickel, j'avance ce bordel, donc je suis content. J'ai tué Logarius ce soir. Bien joué, Omikami. Mais alors? Putain! Je peux pas? Oh là là, 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 oh là là. Moi, j'ai pas fait le premier Hugues, mais ça a l'air cool. Ça a l'air très très cool, là, Jedi truc là. Star Wars. Ben, ça se passe bien, Diplova, hein. Comme tu peux le voir, ça se passe super bien. Bon, ça se fait que je peux pas y aller. Ah, t'es relaf à la store.
Re à la store. J'espère que tout va bien. Je vais remourir. Ouais. Abonne-toi. Ok, donc il y a deux morts hein, à ajouter. Voilà. Et encore une. T'as pas fait la quête de Blade. Ah mais faut que j'aille buter Blade. Oh mais putain. Mais comment j'y vais buter Blade déjà là? Faut aller sous terre. Nocron et tout là, faut que j'aille à Nocron. Mais je peux pas aller à Nocron puisque j'ai. Hein? Faut que j'aille là là. Ah oui, faut que j'aille là. Faut que j'aille là là. C'est ça? Faut que j'aille là. Ah vas-y. Faut pas le tuer. Faut tuer qui alors? Qui je dois tuer là? Faut que je bute qui là? Faut faire sa quête. C'était quoi déjà dans l'ordre? Je parle à Sélène. Elle est là Sélène? Elle y est ou pas? Oh putain, tout le monde me dit d'aller parler aux gens. Non, non, mais moi, ce que je veux faire, c'est buter Radin. Pourquoi j'ai pas le téléporteur pour le festival de Radin? C'est ça ma question. C'est l'enfer de pas avoir le TP. Faut que je tue le chevalier limier. Non, mais je m'en fous, moi, de faire la quête de Blade. Rien à taper pour le coup de faire la quête de Blade. Ce que je veux, c'est buter Radin. Moi, je veux aller tester la testostérone de Radin. Et ça sent le Saint-Nectaire. Hein. Encore plus que tout à l'heure. Hein. Comme s'il y avait un Saint-Nectaire sous mon siège. Mais là, il y a un boss. Hein. Faut que tu fasses une émote pour qu'il descende de son pilier. Il veut débuter le chevalier. Ah oui, mais je veux pas faire sa quête, moi. C'est sûr. C'est ce que je dis. On fout de sa quête. Ah, est-ce qu'elle se cogne au plafond, la flèche, ou pas? Bon alors, je vais pas mourir sur lui, quand même. C'est un mob de base. Un trash mob. Un trash mob, putain. C'est un trash mob, on a dit. Allez, c'est bon. Ah, faut faire la quête de Blade pour le festival. T'es sûr de ça, mais mort? Ouais. Oh putain. Mais il est où, là, Blade? Il est dans une espèce de marécage de merde, non? Ouais, on a buté tout le monde, on est super content de faire de la magie. Vas-y, on fait de la magie, c'est cool. C'est cool, bon voilà, Sélène, elle est là. Ouais, j'ai pas besoin de faire le début de Blade, j'ai besoin juste d'aller là-bas. Là. Attends. Est-ce que je peux passer par ici? Bon, je vais passer par là. Allez. Ouais, j'ai pas besoin, je pense pas, parce que Blade, il va être TP direct à... au lac putréfié, à la putréfactada. Là où on peut trouver des papillons d'ivoine. Ivoine, on dirait un prénom. Hein. Salut, je m'appelle Ivoine. Salut à tous, je m'appelle Ivoine et je suis une grognasse. J'ai un métier de merde. Je suis directrice marketing et j'adore utiliser les couleurs que moi j'adore et j'adore interdire les gens d'utiliser les couleurs que moi j'adore pas. Et la seule couleur que j'aime, c'est le noir parce que je suis directrice marketing et je m'appelle Ivoine. Salut, je m'appelle Ivoine et je suis vraiment une grosse grognasse. Méga grognasse, la maxi grognasse. Maxi grognasse. C'est parce qu'ils ont lu tous les guides de Ribot. Mais je les écris pas, je les filme. Enfin, Florerton. Ouais, je pense que oui. Mémoire le Joe, parce que j'ai jamais fait la quête de Blade. Et j'ai toujours buté Blade à la quête de Rani. Donc à mon avis, c'est possible. N'hésitez pas à follow si vous trouvez que je suis trop moche. Axio grognasse. T'en souviens de ça? Axio grognasse. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Qu'est-ce que c'est rigolo tout ça. Qu'est-ce qu'on se poile. Je me poile.
Ça sent le Saint-Nectaire. Axios Saint-Nectaire! Ouais, franchement, même Flor Ayrton, c'est une guide Elden Ring, finalement. Tellement elle a regardé toutes mes vidéos sur Elden. Ah, c'est ça, c'est parce que j'ai complètement passé le début de la quête de Blade. Très bien. Très bien. Allez hop. C'est possible de trouver le... T'as, il y a une larme de vie en plus à l'église là-bas. À l'église de la tortue. Tortue ninja. Tortue ninja. Ah, c'est juste plus compliqué. Ben ouais, c'est clair, oui. Ok, donc attends, on s'en fout de ça. On récupère ce qui est là, ça a l'air joli. Je sais pas ce que c'est un lys de Trina, on s'en fout. Il y a un autre objet ici, je sais pas, je l'ai vu, je sais pas où il est, on s'en fout. Allez, hop, on se casse, c'est bon. On a fait le tour de la zone, c'est cool. Super. Ok, donc là, on va quand même tester un petit truc. C'est que Jean-Michel, là, qui fait son beau, parce qu'il est tout doré. Attendez, on va d'abord aller au feu de camp, quand même. Il fait son beau, lui. Je l'aime pas. Il fait trop son beau. Il fait trop son beau. Ok. Parce que se taper tout le château, merci, quoi. Ah oui, merci, merci. Ah, il est dur le château, j'ai jamais fait. Hein. Surtout à l'arc, hein, franchement. Un bruit de paix pour Hugues. Voilà. Ok, donc lui, il fait son malin, là. Regardez-lui, là, comment il fait son malin. Il fait son malin. Tu fais ton malin, hein, petit malin. Regarde. Espèce de petit malin. Tu fais ton malin, hein. C'est un jeu pour les bébés, de toute façon. C'est un jeu qui a été inventé pour les bébés, pour les nourrissons prénataux. C'est un jeu pour les bébés. Tellement simple, ce jeu. C'est vraiment un jeu pour les nourrissons. Pour les bébés. Il avait quand même une flèche plantée dans la tête, hein. Qu'est-ce que je fais Je vais récupérer mes runes. Puis on va partir voir le... les autres trucs, quoi. Boire un coup pour Florian, c'est parti. Hop là. C'est good. Vous avez quand même entendu, j'ai dit que c'était un jeu pour les bébés prénataux. Hein. Je sais pas trop ce que c'est, un bébé prénatal. C'est un fœtus. C'est post-natal, c'est post-bac, c'est après le bac. Donc c'est un bébé prénatal. Ok, donc on peut passer par là. Hop. Ok. Here, des papillons. Flamboyant. Ça flamboie. Ok. Je vais où là? Pourquoi? Ah oui, c'était là en bas. Moi je vais en bas après. Oui, c'est bon. Je vais à Nocron, putain. C'est ça, hein? Des bisous à la store. Des bisous à Phyllis aussi. Bonne soirée à vous deux. Ciao, ciao à la store. Alors, voyons voir. Donc là, normalement, il y a une larme de vie. Il y a une larme de vie ou il y a juste le truc, le nécessaire de couture dorée de ses morts? Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus qui je suis. Et je ne sais pas ce que vous foutez tous dans ma cuisine. Sortez tous de ma cuisine. Qui êtes-vous? Ok. Donc ça, c'est une tortue. Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja. Et là, il n'y a pas de larme de vie, non? Et non. Vous êtes une daube. C'est ça que ça dit. Vous êtes une énorme daubasse. C'est ça que ça dit. Vous n'avez pas besoin de recevoir l'absolution. Mais très bien. Voilà, mais va te faire voir. J'ai pas besoin. Ok. Donc on va au point numéro 2. C'est bien par là. C'est bien par là. On est d'accord. Pour continuer la quête de Blade, je vais pas à un endroit encore où ça va être nul. Et qu'il va falloir que je retourne encore en arrière. Putain, si j'avais pas buté Alexander. Quelle cèpe. Il va falloir que je bute Blade à l'arc. Ça va être l'enfer sur Terre. Je sens que ça va être horrible.
blade à l'arc dans un lac putréfié avec des fourmis. On est d'accord que je vais bien au bon endroit. Le chat. Je fais pas tout ça pour rien. Je pense que c'est bon parce que il faut se taper après pour aller choper la poupée de Rani, justement. C'est dans les Simpsons, Juju Népal. C'est l'épisode des Simpsons où il y a Homer qui fume du chichon pour du médicinal. Et en gros, je crois qu'il dit à un moment « Wouhou, on a une cuisine !» Il me semble que c'est ça. Pas besoin de tuer Blade, Darkseid. Alors, ça veut dire quoi? Je vais juste le voir. Je le laisse me tabasser, c'est ça? Je le laisse m'administrer la fessée, c'est ça? C'est tout? Faut que j'aille à la Siofra? La Siofra... En plus, j'y suis jamais... Mais pourquoi? Ah, et Sélène me dit faut tuer Radan. Ah ouais, donc c'est toute une histoire. Hein. Putain, le commérage, hein, ce que ça fait pas. Alors que Blade, il est là, normalement. C'est ce que vous avez dit et la vérité. Il est là! Blademan, il est là. Oh putain! Pourquoi toujours tuer tout le monde? Parce que on aime ça. Alors j'y parle. Salut mec, c'est Luvis. Attends, ok. Ok. Oh putain. Prends. C'est à moi qu'ils en veulent. Pas à Blade. C'est pas à Blade, putain. Ok, on reprend le feu. Donc je vais voir c'est Luvis là. C'est ça? Et après, je vais voir Sélène. Putain, mais c'est trop chiant. Elle est butée Radan. Radan Tifrice. Radan ton huc. J'ai un arc en carton. Mais c'est ça, va. C'est ça, va. Moque-toi. Darkseid, c'est ça, ouais. Juge-moi. Juge-moi, moi aussi, je te juge. Je te juge, si tu savais comment je te juge. Alors, voyons voir. Je monte là, du coup... Ok, on va à la tour de Rani. On prend le poney et ensuite on décale chez Céluvis. Donc Céluvis, c'est un saligo. On le sait. Je vais mourir. Ça va. La fessée, c'est pour les bébés. Après, on joue, je rappelle, 5 minutes à Resident Evil 4 pour terminer le live. Mesdames, messieurs. Bon, on a quand même avancé. On fait des choses intéressantes. On arrive à avancer à peu près. Une fois qu'on aura l'arc de Radan... La run sera absolument overkill, cheat, awesome. Acceptez la tâche. J'accepte ou pas? Je me souviens plus de mon premier guide. Ah putain, faut... Trop du derche, va. C'est un session de cron. Nécrolème, l'académie, blablabla. Bla. Je te donne des introductions. Je t'introduis. Ok. Ok, bon, t'as rien à vendre du coup. Ah oui, il faut finir sa quête. Alors je rappelle que si on le bute, on peut avoir sa tenue. Et en plus, vu que c'est un gros connard, c'est pas con de le buter. Donc là, on parle à Rani, c'est ça? On voudra pas trop. Je suis sûr que si. Je suis sûr que tu m'en voudras en secret et qu'après tu me le reprocheras toute ma vie. Oh ! Je vais tomber. Ah non, là, il faut parler à Sélène. Oh putain, vas-y. Oh là, vas-y. Non mais trop chiant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de mort ? J'ai pas pris le feu. Ok. Et après, tu retournes parler à Blade ? Oh, super. Putain. C'est ça, tu m'en voudras en cachette. Combien t'as de ribs, toi, là, Foxol? Combien t'en as? Je sais que t'en as beaucoup.
Je te vois là, les cumuler pour avoir le 500 000. Je te vois. Je t'observe. On a pas besoin de finir la quête. En plus, c'est avec Néhérin et tout là. C'est trop cher la quête de Céluis. 145 100. C'est vraiment beaucoup. C'est bien trop. Tape les allers-retours. Hein. Tout ça pour aller buter un connard. Hein. C'est vraiment très efficace comme run. Je pense qu'on devrait proposer ce run à Forza. Le champion du monde du speedrun sur Elden Ring. Faire des allers-retours entre Nocron, Selene, Blade, Céluvis et Rani la sorcière. En passant par la connasse de Loretta qui nous casse les pommes avec son putain d'arc qui nous one-shot. Pourquoi j'ai décidé de faire une run à l'arc? Putain, je me dégoûte. Alors qu'est-ce que t'as toi? Présenter la lettre d'introduction. Faut parler à Rani là du coup? Après là, faut parler à qui putain? Elle est destinée à Rani, elle me dit. Ça veut dire que moi je suis un zob. C'est ça qu'elle dit. C'est vrai que ça prouve ta fidélité par contre, Voxol. Allez là, on retourne voir Rani, hein, parce que vraiment ça optimise la run speedrun, c'est sûr ça. Allez, on monte. En speedrun, tu tues pas Alexander, ça va plus vite bien sûr. Alexander, c'est pour ça qu'il le bute après avoir buté Radahn. Maintenant j'ai compris pourquoi. Je comprenais pas pourquoi il butait pas Alexander qui était planté dans la terre. Je n'osais pas poser la question de peur de passer pour un abruti. Et du coup, ben maintenant, empiriquement, j'ai appris de mes erreurs. Donc alors, tu dors, connasse? Putain, ne me dis pas que tu dors. Hein. Mais... Bon. Mais... Mais alors, faut aller parler à Blade, c'est ça? On va parler à Blade. Ah, sur froid. On dirait du Ubi. Ubi va couler. Maintenant, je sais, ouais. Vraiment, maintenant, je suis au courant, bien sûr. Hein, je... N'hésitez pas à follow hein, si vous aimez les... le backtracking. Voilà. Si t'aimes le backtracking, n'hésite pas à claquer ton sub. Vas-y, craque. Fallait peut-être pas aller voir Blade, hein, c'est possible. C'est possible. Radahn, Kaelid, vérifiez si Radahn. Il a parlé beaucoup de Radahn, je trouve. Je lis aucun dialogue parce que ça m'intéresse pas du tout. J'aime pas le lore de toute façon. C'est des jeux pour les bébés. Je préfère me suicider. 1100 runes, ça se récupère sur un géant. Suicide! Ça compte pour une mort. Et voilà comment on optimise le temps dans les speedruns, les amis. C'est bon là? Il y a ce putain de téléporteur, sinon je fais le château. Je n'ai rien à foutre, je fais le château. Si c'est bon, je pense. Oh putain, ça y est. Go Radahn! On s'en fout, on va pas fabriquer une seule flèche. Il n'y a pas un skip pour arriver à Radahn sans prendre le téléporteur? Si. Forza, il fait un skip. Il saute dans le vide et tout là. Il saute dans le vide. Il chope une effigie de Marika en sautant dans le vide. Ah là 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 là, je me t'écoute. On ira raid chez Forza à la fin du live, ok? On lui fera un coucou de ribot, hein. Coucou de ribot. Ok. Faire passer le temps. Pas du tout. Pourquoi je suis allé à ce feu? Monter de niveau. Pas du tout. Je viens de me suicider. Ok, Pepsi. Continue de ne rien dire, hein. Il saute dans l'église de la putréfaction. On peut essayer, voir, quand même. Je vais juste essayer. Elle est là, l'église de la putréfaction. Je veux juste essayer pour voir. Il saute dans le vide en face du champ de bataille. Ouais, c'est ça, Darkseid. Je veux juste essayer. Arrête, toi. Hein. Tu fais du cinéma. Hein. Tu fais du cinéma, toi. Tu nous saoules. Le mec qui a aucun respect, quoi. Voyons voir. Alors, il saute d'où? Il saute où? C'est ça, non? Les speedrunners, ils font ça. Là, et après, hop. Ils vont à Radahn. Direct.
Merci pour les tips, Chemist et Forza. Merci, merci beaucoup, je crois. Merci beaucoup. Ça, c'est des techniques de speedrunner. Hein. Ce sont des véritables techniques de speedrunner. Salut, Ibari Kiyoya. Bonjour à toi, Ibari. Bonsoir, hein, Ibari. On est en train de tester des techniques extrêmement complexes de speedrunner. Des techniques que seuls les PGM peuvent réaliser, bien sûr. Hein. Seuls Forza, Chemist et moi-même pouvons réaliser cette technique. Voilà. On y est en plein, là. Un peu plus à gauche. Je reteste un coup, quand même. Ok. On va retester un petit coup. J'ai fait mon saut un petit peu tôt. Hein, voilà. Un petit peu tôt, un petit peu tôt. Je pense qu'il passe par là. Ensuite, il court. Je crois qu'il court ici, à gauche. À gauche, ici, c'est ça. Voilà, je suis Forza. Je suis Chemist. Je suis un speedrunner. Yes! C'est la run all boss. Hein. Ah oui, ça compte pour 3 morts, du coup. C'était là ou pas? C'était cette plateforme-là ou pas? Des bisous, Hugues! Des bisous à toi, Hugues. Bon, on va passer, du coup. Bon, j'ai bloqué le festival, c'est pas grave. Hein. Je suis un speedrunner. Et là, on va speedrunner Adan comme les speedrunners. C'est parti. Il y a du taf. Oh putain, si je devais speedrunner Elden, je pense que... Il y a vraiment du gros, gros taf, là. T'es là, Blade! Va te faire foutre! Allez, go. On continue. Ce mec, il faut savoir qu'on peut le buter et récupérer un sortilège et sa tenue dans mon guide magie. Tout est prêt, vas-y. Et en gros, bah, il est ultra chaud, il est très fort à battre. Voilà. Ok, go. On peut y aller. Non, non, ça n'a pas été patch, pardon. Patch, c'est le mec qui fait... Un accident vasculaire. Ah oui, c'est vrai que cette porte, elle sert à rien. Bon, je sais pas pourquoi cette porte, elle est fermée. N'aurait-il pas pu l'ouvrir? Pierre de Forge 6. Allez, rond. Je vais me faire exploser la gueule. Mais genre, vraiment, hein. C'est pas genre un mythe et tout. Hein. Je vais me faire défoncer le fiac. Pendant plusieurs minutes. Ça va, si tu l'affrontes avec Selene, c'est plus facile. Elle est là, elle, l'effigie de Marika. Voilà. Et donc, on saute de là-bas. Elle est là-bas, l'église de la putréfaction. Ok. Ça va être culte. Ok, donc, les gars, technique de speedrunner. On fait ça, serment doré. Ensuite, on se déploie, parce qu'on est une tortue ninja. Merde, j'ai pas arrangé les bonnes armes et tout. Je suis une grosse merde, hein. Je suis une grosse merde. Écho, c'est parti. Niveau dégâts, ça va être avec l'arc. Ça va être super. Ça va être super. Ça va être au top du top. Là, déjà, on commence à speedrunner, je le sens. Hein. Je commence à sentir le speedrun. GG. Donc, c'est ma technique de speedrunner pour être plus rapide que tout le monde. Donc on y retourne. Peut-être que en fait ce qui m'a perturbé c'est finalement d'avoir perdu mon bouclier. Je pense que c'est ça ouais qui m'a perturbé. Je remets mon arc à deux mains, vas-y. Un zob putain. Go putain. Go. Okay, donc là il faut courir vers ça. On reste vers ça. Et on fait rond au cas où. On le fait au cas où et pas parce qu'on a peur. On le fait parce qu'on est une grosse merde. Ok, go. J'invoque tout. Bon, j'en ai rien à foutre, j'invoque tout. Je tank. Cheval. Non, 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 cheval. Putain. Au secours. Blade là-bas. On tank ici. Ok. Ça, je connais, ça, je connais. Je suis un dingue, moi. Je suis un malade. Je suis juste une grosse merde. Je suis un speedrunner. Ok. Donc là, on a pu voir que j'étais speedrunner. Quand je speedrunnais, vous savez.
au moment où je speedrunnais. Donc on est à distance, donc on s'en fiche, saignement. Il craint rien, lui, de toute façon. Il craint que la putréfaction, on m'a dit. Je fais tout sauf de la putréfaction, du coup. Parce que je suis quelqu'un d'efficace et d'efficient. Fais de la merde. J'ai plus de magie. Pas de la magie. Mais je vais pas du tout utiliser, en fait, ce... Putain, ils sont morts. Les trous du terche, ils sont morts. Il nous faut faire du saignement, bordel. C'est pas mal, hein. Ça marche bien, putain. Au secours. Il y en a d'autres à invoquer ? Très chaleureux, ouais. Très très chaleureux. Et j'aime être accueilli comme ça. À chaque fois que je l'affronte, j'ai une pensée pour le cheval qui soulève approximativement 432 000 fois son poids. J'avoue, le cheval, il doit avoir les reins en capilotade, comme on peut dire, dans certaines régions de France perdues. Capilotade. Moi et Tadaron. Ah, moi, État d'Aaron, bienvenue. J'adore ton pseudo, c'est absolument incroyable. Moi, État d'Aaron. Abonne-toi. Moi, État d'Aaron, je peux te dire qu'on a fait une run à l'arc, ça bande fort la corde. Allez, go, c'est parti. Désolé pour le nom, t'inquiète. Ça me fait marrer. Let's go. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir de la grosse moulasse. C'est ça, en fait. Hein. Putain, ils sont à tête chercheuse, hein, ces merdes. Ouf. Ok. Bon, il y a Mérine là-bas, hein. Je crois qu'on s'en fout un peu. Peut-être que je vais rester à distance, non? J'ai un arc. Je sais pas ce que vous en pensez. Non mais viens pas m'attaquer, moi, putain! Pour ça. Et je sens. La sangle. T'es nul! Je gride à fond, hein. Donc c'était comme ça qu'il fallait le battre, hein, quand on était speedrunner. Bon, il fait des dégâts, mais bon, ça va, c'est léger. Et ouais. Non, c'est léger. Ça y est, météore. Je sais pas. Oh, putain. Peut-on? Ah, ça aurait pu, hein. Je pense que je peux l'avoir, hein. Invoque des mecs, je sais pas qui c'est. Les invoques, ils ont l'air cool. Super poteau. Il y en a d'autres là-bas. Là-bas, il y en a deux. What? Attends. Je vise. J'essaye. Ouais, il y a autant de météores autour de lui là. Faut que je repeigne de la magie, c'est possible. Attendez. Oh! Wow! Je sais pas comment on fait pour éviter ça, mais je l'ai évité. Je crois pas ce qu'il faut s'éloigner là, je. Oh, c'était presque possible. «
J'étais pas mal, hein. J'étais pas mal, hein. J'étais fier de moi à un moment dans le combat. Sauf à la fin. Vraiment, je trouvais que j'étais bien. Vous m'avez trouvé comment? Est-ce que j'aurais pu faire acteur? Merci beaucoup, hein, pour ton follow, moi et ta daronne. Dommage, ouais. Dommage. Il a une tête en forme de cheval, c'est bizarre. C'est bizarre, ouais. C'est très très chelou. Pas mal le travail, ouais. C'était bien, là. Franchement, c'était vraiment bien, ouais. En fait, je pense que, du coup, les flèches de sang, il faut les spammer de ouf. Dès le départ. Alors, on a une frame d'invincibilité quand on est sur le poney. Attendez, je suis perdu. Je suis perdu. Blade est là. Blade est là, ok. Au secours. Ok. Putain. Voilà, j'ai pas eu de moulasse sur ces déplacements, comme tu dis. En plus, c'est moi qui prends l'aggro, hein, donc... Je peux pas l'empoisonner? Il craint le poison ou pas? Au secours. Ah, c'est bon, je suis mort, là. Oh. Je sais pas s'il craint le poison. Alors j'ai deux questions. Est-ce qu'il craint le poison? Et deuxième question, j'allais dire troisième question, est-ce que plus j'invoque et plus il a de vie? Roule vers lui plutôt, ne recule pas, très bien. Juju Népal. Très bien, très bien. Oh! Du roll-in, quoi. Ok. Mais sa vie ne change pas, d'accord. Je suis dans la merde. Attendez, je vais le laisser y aller, lui, là. Il a l'air déterré. Je vais le laisser un peu y aller. Ok. Et là, à partir de maintenant, je fuis. Parce que je suis plutôt fort. Donc, roll-in, hein, me dit-on. Ok. Je prends des vies. Putain, là, ce qu'il va envoyer sur tout le monde. Putain, mais il est mobile, hein, de ouf. Oh, vas-y, j'ai pris un coup perdu. Il craint beaucoup la putréfaction. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec mes flèches de... J'ai que 20 flèches de putréfaction. Donc, en gros, je peux utiliser qu'une seule fois... Enfin, on peut pas en refabriquer des flèches de putréfaction puisque les papillons d'ivoine sont en quantité limitée dans le jeu. Donc, je ne peux pas, malheureusement... utiliser mes flèches de putréfaction. Enfin, je peux les utiliser qu'une seule fois. Donc il faut vraiment que je sois sûr. Écoutez, j'essaye un dernier coup. On va voir. Donc hop. Parce qu'après, je pense qu'il faudra que j'ai un arc beaucoup plus puissant. En fait. Hop. Ce qui manque, en fait, c'est des pierres de forge 5. 4. 4, 4. Ouais, c'est justement ça que je veux. Je veux son arc. Bon, je peux pas y aller sans vie. Ah, putain! C'est la RNG de ses morts, là. Ouais, c'est la RNG de ses morts. Ok. Hop. J'invoque tout le monde. On va battre. Ok.
Il y a moyen là de bouger? Un travail comme ça, forcément, je refais. Je peux pas. Enfin, je l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Touche à ton. Radin. Allez, on y croit. Je ne me désespère pas. Vous avez vu, tout à l'heure, il lui restait ça de vie. Je pense qu'il y a une strat où ça passe. Il y a un monde dans lequel j'y arrive. Et je le sais. Pas mal, là, ma technique. Mort nul, ouais, mort nul. Pourquoi tu restes pas à distance? Parce qu'il fait ça. Parce qu'il fait ça. Hop. Tu l'as lui bombe pas avec un arc, mais c'est déjà ça. Tu l'as battu avec quoi? Est-ce que vous pensez que le rideau que je fais de sang, peut-être c'est idiot d'utiliser que ça? On n'était pas à 900 dimanche? Si, si, je crois. Combien j'ai de morts là? 72 sur le jeu, putain, ouais. Et là, je suis à combien en tout? Point d'exclamation mort. Ah ouais, 936. Bon, ça va quand même. 36 morts, correct. Je sais pas, de toute façon, vous avez l'habitude de me voir crever. Hein. J'avoue. Tu crois que j'utilise l'arc rapide? Ouais, c'est possible. Pas idiot. Attends, je l'ai ou pas? Ouais, je l'ai. Attendez, j'attends qu'il tire. Salut Dreamstale. Ouais, mais comme je vous ai expliqué, la putréfaction, c'est en quantité limitée sur la run à l'arc. Malheureusement. Donc je ne peux pas malheureusement utiliser la putréfaction. Car c'est en quantité limitée. Alors attendez, arc rapide on me dit. Et là. J'ai plus d'endu. C'est pas mal. C'est pas mal. Malheureusement, comment dire, ça fait pas, malheureusement, ça fait pas assez de DPS, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça fait plus de DPS quand même avec le grand arc qui fait le rideau. En fait, le rideau de sang, ça passe bien. Enfin, quand ça passe, en deux coups, tu lui fais plus de 1000 et quelques en saignement, quoi. Allez, hop, on y croit. C'est la bonne strat. C'est la bonne seed.
Putain, le bâtard. C'est pas du tout la bonne seed. Être offensif, ça marche quand même pas mal avec lui. Hein. Vous avez vu là, 800 de dégâts. En fait, je suis mieux loin hein, si je fais ça. J'ai tenté. Oh, vas-y! Ouais, ben franchement, Katarn, je t'invite à le faire à l'arc. Tu verras que tu vas peut-être changer d'avis, possiblement, c'est possible. Bon, en vrai, ça passe à distance. Il faut que je prenne le petit arc pour lui faire beaucoup plus de DPS, en fait. Je vais rester à distance sur le cheval. Ouais, joli défi, ouais. Franchement, c'est compliqué. Pour le coup... Putain, je pensais jamais devoir faire ça dans ma vie. Voilà, fin de ma phrase. Mais par contre, je pense que c'est possible que ça passe. En restant à distance sur le cheval. Hop. On peut pas utiliser le weapon art, non, quand on est sur le poney. J'aurais pas la patience. Après, ça... Ce qui me plaît, tu sais, c'est d'optimiser au max. Optimiser au max les DPS, etc. Et donc là, voyons voir. Donc là, si je fais des L1. Il a de la portée, ce salaud. Peut-être au début, je peux faire... Trop chaud. Je réfléchis. Ouais, non, la conclusion que j'en tire, c'est que je suis nul. C'est tout. Ouais, je pense pas que je sois assez fort. Attendez. Je réfléchis. On va voir le stuff. Déjà. Bon, le sang, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Ça peut marcher. Je pense que tu devrais le putréfier et laisser faire les invoques en restant loin. Ouais, mais le problème, c'est que je peux faire qu'un seul try comme ça, mais mort le duo. Donc, il faut vraiment que je sois chaud. Sinon, je l'empoisonne. Sinon. Je vais tenter de l'empoisonner. Il risque de me rendre fou. Non, Shimae, ça va. Quand tu fais ça avec un autre build que le mien, ça va quand même. Si tu fais magie, ça ira. Vraiment, ça ira en magie. Tu vas chercher météorite et tu seras pépouze. Oh. Je vais essayer de l'empoisonner, ouais.
C'est juste voir si ça lui fait quelques dégâts, quoi. Je suis pas sûr que ça lui fasse vraiment beaucoup de dégâts, pour le coup. Merde. Putain, il fait des dégâts, mon putain d'arc, là. Avec le poison. C'est moi qui... J'ai roll... J'y roll. Évidemment qu'il a péri, ce gland. Il n'y a plus que moi. Super. Oh non! Putain, il m'a chopé par le derche. Pas mal le poison, hein? C'est pas mal hein, le poison, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air de marcher, hein? J'ai l'impression que c'était mieux, quoi. En tout cas, c'était un meilleur try. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'est vrai que la putréfaction, s'il craint, putain. Ha! S'il craint ça. J'avoue que. Mais après, faut que ce soit la bonne run, hein? Enfin, faut que ce soit le bon try, hein? Parce que. Sinon, tu fais un marathon à poney. Réanimer tes compagnons quand ils meurent. On peut les réanimer? Il faut aller à leurs emplacements, c'est ça? Bon, vas-y, on tente ça. Attard. Faire du roll-in, de toute façon, tout le temps, sur lui. C'est ça, c'était exactement ça. Bon, je pense que si tu restes à distance sur le cheval, assure-toi de garder l'aggro pour que les invoques soient en vie et tu ne risques pas d'être tout seul. Ouais, pourquoi pas. Bon, allez, dernier try pour YouTube. Et puis moi, après, je me dis, peut-être il faudra que j'améliore mon personnage après. Hein. Ok. Hop. Oh, la déculottée. Et ron. Ok. Je vais quand même l'empoisonner. Qu'est-ce que c'est chaud. Putain, mais qu'est-ce que c'est chaud, il te laisse pas vivre ce mec. Je tente le poison. En télétravail, quoi. En distanciel. Ah oui, j'ai pas d'endu, c'est pour ça qu'il veut pas tirer. Ouais, les marques d'invoque reviennent tout le temps, d'accord, ouais. Bon, ça, c'est un bon truc à savoir, hein. Voilà, c'est super. Putain, c'est chaud. Je pensais pas que c'était aussi dur de l'avoir. Putain, la première fois où j'ai try là, enfin deuxième coup, c'était quasiment ça. J'ai failli l'avoir. Hein. Mais j'ai failli l'avoir grâce au rideau de sang.
Sans ça, je pouvais pas l'avoir, je pense pas. Sans le grand arc, c'est mort. Ce que je veux faire, c'est l'empoisonner avec l'arc du serpentin, là, serpentard. Et après, je voudrais lui foutre des flèches de sang, vous voyez. Ah, c'est chaud. Cache ta joie, Ribo. Je la cache bien, t'as vu. Je la cache bien, mais je suis heureux, en fait, au fond de moi. Je vais essayer d'invoquer tout le monde. Ok. Je vais essayer d'invoquer tous les compères. Ouais, c'est ça. La tarne, je pense que ouais. Mais tu vois, mourir comme ça, en fait, ça m'énerve trop. Parce que ce qui m'énerve, c'est pas de mourir, c'est de devoir recommencer du début, là. De devoir faire ce petit chemin de merde. Le chemin de ses morts. Le radan de ses morts. Hop. Est-ce que c'est pas ça qui aurait sauvé la run tout à l'heure? Putain, mais... Cerveau mou. Le cerveau mou. Vas-y, là. Comme Forza. C'est ça, le coq. Tu veux dire que je suis nul, c'est ça? Je rigole. Alors, hop, je prends ma fiole. Attends que les potes arrivent. Attendez, je vais invoquer lui. On sait jamais. En fait, il est trop mobile pour faire ça, là, je crois. Ah, c'était pas mal. Oh, j'ai plus de magie. Vas-y, bouge pas, là. Oh, putain. Oh non! Il m'a one-shot! Vous avez vu mon pouls, comment il a augmenté de ouf, juste là. Oh non! 5000 et quelques de dégâts. Abusé. Va en arrière quand tu commences. Vas-y, vas-y. Je vais essayer. Pourquoi? Pourquoi faut faire ça? Ça passait trop bien, mais j'avoue. Pourquoi faut faire ça? On perd des vies, c'est ça? Mais t'écoute. Ah oui, d'accord, il disparaît. Et il devient idiot. Ah oui, ok. Ah, il fait plus ses flèches. Il vient vers moi. Oh putain, d'accord. Ah oui, il faut prendre le cheval pour venir en arrière. Ouais, ok. Ok. Ouais, d'accord. C'est le sang qui bout dans tes veines qui fait augmenter ton BPM. Prêt. Vas-y. Je suis sûr que je vais l'avoir. Vas-y, on va tenter ça. C'est bien qu'il vienne vers moi après. Ben, je sais pas, finalement. Je sais pas trop. Par contre, Radagon, l'Elden Beast et tout, ça va être super. Hein. Ça va être vraiment top. Bon opti, quoi. Au petit bonheur, la chance. Ouais. Ok. Donc là, il repop. Ok. Bon après, moi, je suis pas habitué à ça, hein, donc au pire, je le ferai normal. Hein.
prends des vies, hein, j'essaye quoi. Ouais, je... On va en prendre un petit coup. Ils peuvent pas prendre l'aggro là. Pas possible pour eux. Je prends un coup de magie. Ça va s'envoler, non? C'est cool que non. Putain, mais claque! Mais putain, mais je l'ai eu! Mais putain, mais je l'ai eu, il a même pas fait sa P2! Ça prouve que je suis un boss, ça prouve que je suis meilleur que Forza et Chemist réunis. Merci. Putain! Deus Machina. Allez, on chante. Rio, oh, ah, Rio, oh, ah, Rio, oh, oh, Rio, oh, 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 ah, oh. Les paroles sont pas dures à apprendre. Rio, ah, oh, oh. Rio, ah, Rio. Merci pour les GG. Sans les autres tries, c'était du first try, ouais. J'ai quand même le pouls qui est bien monté, hein. Ça, c'est parce que je suis un grand bandeur, moi. Un symbole rouge a été inscrit sur votre carte. Radan est décédé. On pourra avoir son arc, on peut porter son arc. C'est parti, on va aller échanger le souvenir. 1h17 pour YouTube. Des gens ont de la mousse qui sortent de la bouche sur YouTube. Bel arc en cadeau. Oh. Vas-y, on se casse. Putain, on a des runasses. On a aussi le souvenir de Renala à consommer. Oh là 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 là. Oh ouais ouais ouais. Ah ça y est. Le tournant dans l'histoire de la run à l'arc. N'hésitez pas à follow si vous trouvez que je suis super surdoué. Acquérir le pouvoir des souvenirs, c'est parti. Je crois pas que j'ai les stats. Ouais, il me faut 22 en force. Mais c'est pas grave, j'ai tué Renala. Je vais pouvoir aller renaître avec une larme larvaire. 22 ! Ah, j'ai 18. Ça va, il me faut 4 levels. Ouais, donc là, je prends ça. Hein. Je duplique pas ? Je duplique ou je duplique pas ? Non, je duplique pas. Je duplique pas, je m'en fous, je veux cet arc. À la foutre. Et bah du coup, je peux peut-être prendre les 4 levels avec, avec mes runes. Hetz. Montée de level. C'est lourd. À la foutre. Ah non, j'ai... Hein ? J'ai pas du tout 18. Ah si, j'ai 18 parce que j'ai le truc de machin, là. Machin chouette. Donc lui, il va dégager, je pense. Ah bah si, je peux le porter. C'est si je peux le porter. Ah non. Mais quoi ? Objet inefficace. Et si je le porte à deux mains? Je peux pas. Putain, il est costaud. Ah oui, non, mais attends, parce que dans le statut, avec les stats en plus du talisman de Radagon et tout, j'ai 18 en force. Donc c'est possible. Je peux acheter les lances de Radan à l'infini. Attends, montée de niveau. Force du coup. 1, 2, 3, 4. Ok. On garde. Donc là, c'est good. Là, je peux le porter, du coup. Bon, du coup, on va voir IJ. Ok. Ok. N'hésitez pas à follow si vous savez pas du tout ce que je suis en train de foutre. Ok. Donc là, 29 000. Ah. Ouais. On a libéré Radan, nos crocs, machin chouette, allez. Donc ça. Ça, j'en ai 3. Là j'en ai 2, j'en ai 0, donc j'en achète une. Là j'en ai 0, j'en achète une. Elle était chère, hein. Ouh, celle-là, qu'est-ce qu'elle était chère, hein. Salaud. Et donc là, si je fais... Attends, du coup déjà, est-ce que j'ai des flèches? Non. Équipement. Ça vaut cher, ça?
Parce que j'ai pas envie d'utiliser direct, quoi. C'est 800 runes. La lance. Bon, après, c'est peut-être... plus tard, ça se verra pas, quoi. Plus ça avance, plus ça va. Allez, on va l'améliorer. De toute façon, il me faut l'arc noir après. Hein. Tu vois, genre sur un mec comme la sentinelle à Lindell, à mon avis, ça peut marcher. Hein. Donc attends. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, on va aller quand même tester une lance sur un des gars qui est derrière la cabane du maître de guerre. Cabane du maître de guerre. Ok. Je peux le prendre à deux mains celui-là ou c'est qu'à une seule main? Ok, d'accord. On va tester. Ah, si, je peux le prendre à deux mains. Donc là, attends. Là, je fais une flèche classique. Enfin, une lance classique, on va dire. Ah, vas-y. Ah ouais, d'accord. Je peux bouger. Ok, je peux bouger, je sais pas pourquoi. Tant qu'il soit là, comme ça, vas-y. Je tire. Bam. What? Ok, donc, 1600. Et fais voir juste le weapon art. Ouais, ok, le jeu est terminé, quoi. C'est ce que je comprends, quoi. Ok, ouais. Donc, en fait, tu prends ça. Ok. Oui. Ok. J'ai pas de flèche. J'ai pas de flèche. Mais alors ? Ouais, ça fait vachement... En fait, une flèche, ça fait l'équivalent des 5 qui lui tombent dessus, là. Ouais, faut faire pour acheter les lances, quoi. Ouais, j'avoue. Attends, par contre, c'est juste abusé, le dégât que ça fait. C'est juste fou. Je vais en racheter 2. Hein ? J'en rachète 2 ? Ouais, j'en rachète 2. Alors, attends, parce que du coup, ça... ouais, en fait, je me perds un emplacement quand même. Hein. Donc, tu prends saignement et ça. Ok. Mais est-ce que tu peux utiliser des flèches classiques avec ça? C'est que les baobabs qu'on peut... Avec le serment doré, c'est encore mieux. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le serment doré aussi. Du coup, attends. Ce que je veux vérifier, c'est... Ouais, je peux me servir que de... Ouais, L1, ça marche pas, vous voyez. Les flèches de sang, ça fonctionne pas. Et par exemple, lui, là... Attends, je veux juste quand même tester. Avec serment doré, du coup. Hop, je prends l'arc de Radan à deux mêmes. Lui, je le vise, là. Je fais L1. Ouais, non, L2, pardon. R2, pardon. Ah ouais! Ah oui, après tu reprends ton autre arc et tu lui fais. Voilà. Ça, par contre, à buter, c'est chiant là, les chiens. Ok. Ouais, donc quand même, ça fait des dégâts. Tu peux aussi utiliser les grandes flèches classiques. D'accord. Bon, ok. Bah, pour YouTube, je suis très heureux d'avoir réussi à faire tout ce que je voulais faire ce soir. Je pense que dans la prochaine VOD, on ira chercher l'arc noir YouTube. Donc des bisous YouTube. Pense à venir me voir sur ma chaîne principale, @ribosome. Et pense aussi à t'abonner à ma chaîne Twitch. C'est super important. Enfin, venir follow, pas forcément à t'abonner. Des bisous YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.